Salut tout le monde. Alors ce soir, je vais vous présenter comment s'amuser avec un contact MSN. Alors c'est tout simple. Il va falloir lui envoyer un dossier. Donc vous m'envoyerez un message par MSN pour je vous l'envoierai. Alors ça s'appelle pirater un contact. Alors ça se passe comme ça. Voilà. Alors, à envoyer à la victime et à installer chez vous. Alors moi il est déjà installé, donc c'est un script à envoyer à la victime. Alors je vais vous faire une démo tout de suite. Alors hop, on va ouvrir MSN. Ah, pyjama. Alors lui c'est un pyjama, on va s'amuser un peu avec. Alors, on va être un peu gentil avec. Donc au début, voilà, salut, salut. Donc faudra trouver une excuse crédible, hein. Donc moi j'ai trouvé ça comme excuse, hein, c'est... Voilà, j'espère que ça va marcher. Donc faut trouver un truc crédible, hein. Je t'attends qu'ils répondent. Voilà, alors lui, c'est bon, il a mis ouais, vas-y. Alors, à envoyer à la victime, hein. Donc, moi, il s'appelle savoir qui te bloque, donc c'est pas du tout ça, c'est un script en fait qui va, disons, introduire son ordi pour que je puisse contrôler un peu son MSN. Voilà, il a accepté. Alors, je vous montre ce qui va arriver chez lui en fait. Alors, moi, je vais l'ouvrir. Voilà, alors, ça, c'est ce qui va apparaître chez lui. Donc, voilà, donc c'est marqué attention le script, voilà, c'est justement un truc dangereux. Alors lui il va mettre j'assume, tac, et puis il va mettre importer, donc ça va l'importer. Alors moi je vais, il me dit je fais quoi après, alors je vais lui dire prochain redémarrage de ton PC. Alors ça changera au prochain redémarrage. Alors voilà, maintenant il est accepté. Alors le deuxième, donc à installer chez vous, moi il est déjà installé, donc il sera là en bas sur le petit icône d'MSN Plus. Là, donc vous cliquez dessus. Maintenant je me suis trompé, il n'est pas encore installé. Alors c'est faire en 10 secondes. Hop, hop. Voilà, le script a été importé avec succès. Il est maintenant activé. Alors ça, on peut annuler. Voilà. Voilà, alors maintenant c'est marqué pirater by Bobo. On est à tout ça, hein. Donc parler à sa place, parler en contact, donc il y a tout ça. Donc, afficher le bouton démarrer, voilà. Bon alors maintenant vous lui répondez plus, on va s'amuser un peu. Alors voilà. Je vais pas lui faire parce que voilà, c'est vraiment salaud, mais ça marche, j'ai déjà essayé. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui faire? On peut lui bloquer tous ses... Bon, il y a tout ça, hein, donc... On va lui bloquer tous ses contacts. Voilà. Attendez, non, parce que ça va me bloquer moi aussi, je pourrais plus lui parler. Alors, on va parler à sa place. Donc, vous mettez
imitate donc là j'ai écrit à sa place hein. Donc connard là moi je vais m'amuser un peu alors là c'était juste pour le bouton avant donc ouais putain j'ai pas c'est quoi cette merde. Il n'y a plus de bouton. Et j'ai pas dit ça. Vous êtes d'accord, on peut envoyer un seul whiz. Bah, moi je peux lui envoyer 500 whiz. Je peux lui envoyer la calculatrice plein de fois aussi. Tu fais bugger mon PC, il m'écrit. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ah oui, mettre. Alors, regardez mon là, il y a mon avatar, là, il y a le sien. Alors, je vais lui changer. Hop. Tac. Hop, ça va lui changer. Voilà. Ça lui met mon avatar. Mon image est devenue la tienne. Voilà. Et puis. Alors moi je peux voir tout ce qu'il y a sur son bureau. Alors. Tac. Qui fait ça depuis tout à l'heure, donc là il rage, il est en train de rager, il est pas content. Bon, alors je vais lui remettre son bouton démarrer parce qu'il peut plus rien faire, donc afficher le bouton démarrer, hop, et puis le bouquet final. Bon, il y en a plein, moi je vous fais une petite démo, mais. Là je peux obtenir tous ses contacts aussi. Donc là ça va me les afficher, voilà. Ça c'est tous les contacts qu'il a. Donc il y a tout ça. Voilà, alors, putain, pourquoi j'ai eu un message d'erreur? Et puis, voilà, on a obtenu tous ses contacts, et puis le bouton final, le bouquet final, pardon, on va lui éteindre son ordinateur. Alors. Éteindre l'ordinateur qui se trouve là, hop, on va cliquer, voilà. Puis là il faut rentrer un truc en fait, ça marche pas tout de suite. Alors c'est PC shut down -60 fermé, voilà. Bon là il rage, il est pas content. Vas-y sérieux, arrête. Bon alors là il est disponible, hein, il est en ligne, ça va lui éteindre son ordi. Alors faut juste attendre genre 30 secondes. Encore j'écris. Voilà. Il est hors ligne. Déconnexion. Hors ligne. Voilà. Ça lui éteint son ordi.